Hello tout le monde. Coucou Chris. Coucou. Donc je suis toujours accompagnée de mon grand garçon donc pour cette suite de vidéos sur Disney Lorcana chapitre donc partie 2 et on est sur le chapitre 2. Voilà, donc le chapitre 2 est sorti en avant-première donc hier le vendredi 17 novembre. On vous avait déjà fait donc une vidéo sur le premier deck. Voilà, chapitre 1, on a déjà fait des vidéos. Et nous n'avons pas eu d'enchanté. Non, toujours pas. Et là, on vient de vous faire donc la vidéo du premier deck, donc avec le visuel Merlin et Tiana. Et là, on va continuer sur le deuxième deck, puisqu'il n'existe que deux dans ce chapitre 2. Oui. Et Gaston. Gaston, exactement. C'est pas la reine de cœur. Regarde. C'est la méchante reine dans Blanche-Neige. Ah, oui. Et Gaston. Donc. Moi, je connais pas les méchantes. Dans les decks, vous avez donc un jeu avec donc plusieurs cartes. Si vous ne savez pas encore jouer, comme ça tout est prêt, vous n'avez pas besoin de le façonner vous-même. Votre deck, il est déjà fait. Vous avez à l'intérieur, donc il vous dit derrière, vous avez les jetons de dommages pour jouer. Vous avez le marqueur de l'or. Vous avez un tapis de jeu en papier. Les règles du jeu. Donc comme ça, si vous voulez jouer, si vous voulez pas seulement collectionner, si vous voulez juste collectionner les cartes, achetez simplement les boosters. Si vous voulez jouer à Disney Lorcana. Achetez un deck ou plusieurs si vous voulez tester plusieurs decks. Voilà, voyez les decks qui vous correspondent le mieux, mais achetez peut-être un deck si vous ne vous connaissez pas en cartes. Comme ça, au moins, tout est prêt à l'emploi. Et à l'intérieur, nous avons aussi un booster. Donc ça, c'est Chris qui va l'ouvrir. Enfin, on va voir, on va voir. De toute façon, après, on a toutes les petites... Déjà, ici, on a eu une partie. Vous allez voir, mais ici, on a eu une partie. La oui, première partie, on a eu un premier booster, une première carte dans le premier booster. Donc à l'intérieur, hein, vous avez le jeton, les marqueurs de l'or, les règles du jeu, le booster. Ah, ouais. Donc ça, c'est Chris qui va l'ouvrir à la fin. Et donc là, dans cette vidéo, c'est simplement pour vous montrer le visuel des cartes, que vous puissiez en fait entre les deux, si vous voulez commencer au chapitre 2, voir avec quel deck vous voulez commencer. Alors, on a forcément deux cartes brillantes qui sont les deux personnages qu'il y a en photo. Donc, la méchante reine et Gaston. Ensuite, donc vous avez des cartes timides. Oui. Jean-Christophe. Ah bah. Vous avez des cartes propres, des cartes simplets. Gaston. Le grand-duc, grincheux. Bah dans celui-là, vous avez beaucoup de Blanche-Neige et les sept joyeux. On va tous les avoir. Il nous en manque combien là? Le timide. Fou. Oui. Il y a Dormeur. Hatsune. Et Timide, il nous manque. Blanche-Neige. Il nous manque Timide. Ah, je crois. Il y a la reine. Oh, elle est belle cette fille. La reine des cœurs. Peignons les roses en rouge. Ah, bah ça, elle existait déjà dans le chapitre 1. Cruella d'enfer. Alors, on vous le répète, mais dans les decks, c'est normal d'avoir plusieurs cartes. Voilà, hein, d'avoir plusieurs fois la même carte, c'est pas anormal. C'est pour pouvoir en fait faire vos attaques et tout ça. Hein. Donc, on a Flaversham. Ça, c'est dans le dessin animé avec la chauve-souris. Qu'est-ce que tu fais pas? J'ai des peurs étant petite. J'ai perdu le nom. Ça s'appelle Les avec les smiles. Oui, oui, oui. Basile détective privé. Ah oui. Judy Hopps de Zootopie. On a Maître Hibou. Ça c'est pour Maël. C'est pour Maître Hibou, ouais. Puis le tête. Bah, celui-là il existe aussi dans le chapitre 1 cette carte-là. Oh, regarde Chris. Elle est belle celle-ci. Ouais. Oh. Winnie l'ourson. C'est que pour Maël. 4 douzaines d'œufs. Projectile de fortune en action. En carte objet, on a l'arbalète. Ouais. En objet. L'armite du. De Gambo. Glace à l'eau. Et voilà. Alors, ce deck-là, si vous êtes un grand fan de Blanche-Neige. Oui. Hein, aussi. Vous avez, de Winnie l'ourson. Ouais, vous avez quand même beaucoup de cartes là-dessus. Donc, voilà concernant le visuel du deck. Et on va continuer d'en finir avec l'ouverture du booster qu'on a en cadeau. Je te l'ouvre. Oui. Allez. On est parti. Donc ça c'est Chris qui va vous le montrer. Oh bah tiens, c'est la chauve-souris qui fait peur, qui te jette. Ah, c'est elle. Oui, c'est elle. Juliette, Panique. Mm-hmm. Ah, James. Ouais. La reine. Maillet de croquet. Ah, elle est belle celle-ci. Hercule. Donc maintenant il nous en faut plein de nouvelles. Un commun.
Ok. Ah, Isma dans Cusco, ouais. La reine des cœurs. Oh, super, on a plein de nouvelles là. Robin des Bois. Oh, elle est belle. La rare. Oh. Le grand génie du mal. Grimoire du sorcier. Ouais. Oh, et la rare brillante. Oh, frères. Elle est belle. Ah, et on a une autre partie. Voilà. Donc, on a déjà des départs. Ah oui, regarde, on dirait qu'elle fait de la plongée. Oui. Regarde comment elle va être avec le poisson. Donc, on a mini, ça sera mini plongeuse pour ce puzzle-là. Et on a plein de nouvelles cartes déjà pour notre collection. Hein? Oui. Et ben voilà. Nous passons pour la prochaine partie 3 au booster. Ouais, au booster. Donc là, on vous laisse sur cette vidéo sur la découverte du deck. Donc, la méchante reine et Gaston. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble au niveau des cartes. Et si, ben, si les cartes vous plaisent et si ça vous correspond. Nous, on va se laisser ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on va se retrouver pour une autre partie avec l'ouverture carrément. Des boosters. Pour compléter notre collection chapitre 2. T'es prêt? Oui. Allez, on vous dit à plus tard. Ciao. Ciao.